Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est en train de réparer les dégâts de l'automne. Là, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai l'air sautatif. C'est un outil que j'aime pas trop, mais là, on est au jet. Ça, vous voyez là, les rouans qu'il y a eu pour la récolte du maïs. Bon, je roule pas trop vite parce que bon, il y a quand même des belles tranchées. Là, c'était une partie qu'on avait essayé avec la 4 roues motrices, mais après on a été obligé de venir aux chenilles. Bon, le boulot est pas top. Il faudra que j'essaye de voir s'il y a d'autres réglages à faire pour essayer de niveler un peu ça. On va voir un petit peu ce que ça donne là. Vous voyez, ça colle un peu au rouleau. Pourtant c'est encore gelé là ce matin là. Vous voyez les résidus là. Mais faut pas regarder le rendu, c'est pas top. Hein. Mais bon, on va le labourer. Ça arrive à faire quelques là. Ça rebouche quand même bien le. Si vous pouvez voir, hein, ma main, ouais, il y a environ des rouans de 15-20 cm. Et voilà ce que ça donne. On espère qu'avec un labour au mois de mars ou avril, ça a été compliqué. Vous me direz, oh, bah, fallait pas moissonner. Mais on était mi-novembre. Après, ça s'est mis encore à pleuvoir, et là, comme c'est un limon où ça reste de l'eau souvent de l'autre côté, il fallait sortir le maïs. On a quand même sorti 9 tonnes hectares là, du champ. On sait sûr que là, la structure, elle va pas se refaire. Bon an, mal an, avec les chenilles, moins de mal à la structure. Vous voyez, l'eau est quand même partie. Et en nivelant avec l'air sautatif, tant bien que mal, bah, ça ira pas trop mal, enfin, faut espérer. Ça a l'air d'aller un peu mieux, ça bouche un peu les rouans. Bon, là vous voyez la différence, ici là ça a été battu aux chenilles, c'est un peu moins creux qu'avec des pneus. J'aurais pas besoin normalement de reboucher quelques rouans. Et là bon, c'est du limon, alors ça va, on labourera ça, je sais pas, peut-être mois de mars ou avril.
et ça arrive à faire des paquets de temps en temps là, du maïs, alors bon, faut pas que j'aille plus bas. Et là, on va faire comme ça.